Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à primeira mesa de debate de nosso evento Invenção e Imaginação, Arte e Ciência em Diálogo. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui, estamos dando início a esse evento que vai durar aí até o fim do ano com muitos encontros de vocês. Trabalho no setor de comunicação do Goethe-Institut no Rio de Janeiro. E estou muito feliz em abrir esse evento para vocês. Já são muitos anos realizando eventos em parceria com a Embaixada da França, a Bibliomaison, e sempre ao lado de uma instituição brasileira, com apoio do Fundo Franco-Alemão de Cultura. Esse ano, essa instituição brasileira é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, que embarcou nessa jornada aqui conosco. Então, nosso objetivo esse ano, dessas três instituições realizadoras, é oferecer a vocês uma programação que estreite o diálogo entre os métodos e conteúdos científicos e as linguagens e expressões artísticas. É, gente, ciência e arte dialogam. E a gente vai ver isso hoje e em nossos próximos eventos. Teremos um encontro por mês. Nous aurons une rencontre par mois, toujours avec une personne à qui cette séance va rendre hommage. Et aujourd'hui, il s'agit de Marie Curie, qui va nous parler de visibilité et invisibilité des femmes dans la science. Elle sera notre inspiration pour ce thème. Alors, notre live est transmise en portugais, en allemand et en français, et aussi en langue des signes. Vous pouvez choisir la langue qui vous correspond le mieux. Si vous avez une question, écrivez-nous sur le chat. Nous avons toute une équipe prête à vous répondre, à vous aider, à répondre à vos questions et pour vous aider dans cette expérience d'événement. C'est aussi dans le chat que vous poserez vos questions à nos conférenciers. Je vais tout de suite souligner qu'aujourd'hui c'est le jour international de la langue des signes. Et nous remercions nos interprètes de livres de signes, donc, qui rendent ce cycle accessible à plus de monde encore. Merci beaucoup à vous. Nous remercions aussi les autres interprètes, aussi importants pour qu'un événement international comme celui-ci puisse se produire. Avant de démarrer les débats, les institutions donc organisatrices vont vous donner la bienvenue. Je demanderai tout de suite à M. Marco Gramatto, directeur du MAST, de prendre la parole. Marcos Gramatto. Merci Renata, merci de cette présentation. J'aimerais, au nom du Musée de l'astronomie et des sciences connexes, vous remercier pour cette invitation à participer de cet événement international qui va donc s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Nous aurons donc plusieurs rencontres qui seront extrêmement intéressantes. Je pense qu'on ne peut pas les manquer et j'imagine que ces rencontres seront disponibles, seront accessibles pour tous ceux qui n'auront pas pu être présents en direct. Et au nom du musée, j'aimerais dire que nous sommes très heureux. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous accompagnent sur Internet et en particulier aussi aux représentants des institutions qui nous accompagnent dans ce cycle. Donc, j'espère que ces journées seront intéressantes et motivantes pour tous et toutes. Je ne pourrai malheureusement pas vous accompagner aujourd'hui, j'ai une autre réunion dans une trentaine de minutes, mais je vais en tout cas regarder le début avec grand intérêt. Merci beaucoup, Marcus.
Et certes, c'est sûr, les vidéos seront sur notre chaîne. On pourra y les regarder quand on voudra. Et merci beaucoup, donc Marcus. Je voudrais donc demander à l'attaché du livre et du débat d'idées de l'ambassade de France au Brésil, M. Vincent Zonka. Soyez le bienvenu, Vincent. Alors, au nom de l'ambassade de France au Brésil et du consulat général à São Paulo, je suis également très heureux d'ouvrir avec vous ce nouveau projet franco-allemand et brésilien, intitulé cette année Invention Imagination, et fêter ainsi 3 années de projets et de partenariats ensemble. Je souhaite également, au nom d'Alain Arnaudet, qui est notre nouvel attaché de coopération et d'action culturelle à Rio de Janeiro, saluer l'ouverture de cet événement. Un événement qui est à la fois interculturel, j'ai rappelé les 3 pays partenaires de cet événement, mais aussi interdisciplinaire. Je trouve que c'est exactement ce qui fait la richesse de notre événement de 3 mois, de pouvoir mêler à la fois les sciences et les arts dans un projet éducatif. Ça a beaucoup de sens, notamment en ce moment. Et je salue aussi toutes les équipes qui ont travaillé à ce projet dans un contexte particulièrement difficile, durant la pandémie que nous traversons encore, d'avoir pu mener à terme cet événement. Cet événement cherche justement à valoriser les débats publics et la formation des enseignants et des étudiants auprès des thématiques scientifiques et artistiques, avec 4 grandes figures culturelles et scientifiques que sont Marie Curie, Jules Verne, Fritz Lang et John Kepler. Marie Curie sera particulièrement à l'honneur aujourd'hui, ce mois-ci. C'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Donc c'est une figure particulièrement remarquable et courageuse. Il y a d'ailleurs 100 ans, grâce à des femmes américaines, elle avait réussi à acheter 1 gramme de radium pour développer son institut, l'Institut du radium à Paris. Donc c'est aussi la solidarité féminine, il y a 100 ans exactement, qui a permis à Marie Curie de développer aussi ses travaux de recherche en radiologie. Pour ne pas être trop long, je vous souhaite donc à tous un excellent événement et un excellent travail jusqu'à le mois de décembre quand se terminera cet événement. Mais je voudrais également remercier les institutions partenaires, en premier lieu le Musée d'astronomie et des sciences exactes et Marcus Granato qui est présent aujourd'hui en particulier. Je voudrais également remercier Vera Schroeder avec qui nous avons mené ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Nos amis du Goethe-Institut, en la présence de Renata et de Robin et d'Almelinda aujourd'hui. Également l'Institut français à Paris qui a soutenu également ce projet. Mais je ne voudrais pas oublier non plus les invités qui participeront aujourd'hui à cette ouverture, notamment la docteure Bettina Stefanello-Lim, Christina Van Braun et Bernadette Benceau de Vincent. Et je remercie également toutes les personnes qui ont accompagné le projet, et en particulier de mon côté l'équipe de la Bibliomaison du consulat de Rio, Roberto Pedretti, Fanny et Luis. Et je remercie donc également toutes les personnes qui nous écoutent et vous souhaitent un très bel événement. Merci encore. Muito obrigada, Vincent. Merci beaucoup, Vincent, pour tes mots d'ouverture. Nous sommes aussi très enthousiastes de commencer cet événement avec vous. J'aimerais demander donc au directeur de notre Institut Goethe à Rio de Janeiro de prendre la parole, Robin Balik. Alors, merci beaucoup, Renata. C'est un grand plaisir de pouvoir vous saluer de notre Institut Goethe. Aujourd'hui, nous allons avoir le premier débat sur le thème invention-imagination, art science en dialogue, et nous allons parler de la visibilité et de la visibilité des femmes. Et nous souhaitons ici construire des ponts, des passerelles entre penseurs et artistes, entre savants et artistes. Ce projet est appuyé donc par le Musée d'astronomie et de sciences exactes,
Sainte, la médiathèque de la Maison de France, l'ambassade de France et l'Institut culturel Goethe. Et donc, j'aimerais remercier Marcus Granat et son équipe, Vincent Zonkwa et son équipe, et également mes collègues, infatigables collègues, Renata Leitch, Amélinde et autres. Je suis très heureux de pouvoir débattre avec vous aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation à participer, Madame Vincent, Bettina Stefanelli, mais la professeure Christina von Braun. Et je remercie en particulier Christina von Braun, qui était prédestinée pour nous parler de cette question. C'est une des premières personnes à s'être consacrée à l'étude des genres en Allemagne. Elle a publié plusieurs ouvrages et elle va nous parler de toute son expérience. Et j'aimerais remercier aussi Vera Schröder, productrice, qui a eu l'initiative de ce cycle, ainsi que Denise Mendonça et l'Institut Art Théâtre, qui est chargé de la formation de professeurs de l'enseignement public de Rio de Janeiro, qui travaille dans les bibliothèques publiques, ainsi que la coordinatrice du workshop d'histoire. Donc, je suis très curieux et très intéressé par le débat de cet après-midi. Merci, Robin. C'est vrai qu'il y a d'autres initiatives. On va entendre Vera aussi, Vera Schröder, qui est directrice de FULO, projet de culture, productrice de ce cycle, des conceptrices de ce projet. Alors, bienvenue à Vera. Je pense que tu jouais un rôle si important que tu es peut-être la meilleure personne pour parler un peu du contexte autour de cet événement, qui est assez large. Sois la bienvenue. Merci, Renate. Bon après-midi. Enfin, bonjour et bonsoir, chers partenaires et chères conférencières. J'aimerais démarrer en remerciant l'Institut de Goethe, l'ambassade de France au Brésil et le Musée d'astronomie et des sciences exactes pour leur appui et leur engagement dans la réalisation de ce projet. Ce projet Invention, Imagination, Art et Sciences en Dialogue est composé de trois axes pour essayer d'expliquer rapidement. Le cycle qui démarre aujourd'hui et se terminera en décembre rendra hommage aux 450 ans de Kepler en décembre. Il y a un axe de formation qui a démarré le 13 septembre et qui se terminera en décembre avec la formation de professeurs et qui travaillent dans les bibliothèques et qui interviennent sur la littérature dans les écoles publiques au Brésil, et en particulier à Rio de Janeiro et à Florianópolis, dans l'état de Santa Catalina. Et puis l'atelier de nanocontes pour les élèves de l'école primaire avec un concours de nanocontes. Les 20 meilleurs nanocontes recevront un abonnement annuel à un club de lecture de jeunesse. Alors, ce projet a été créé, pensé pour articuler la production de savoir, d'accès aux connaissances, unissant les institutions et les universités et essayant d'aller au-delà de cela. Et quand on réfléchit sur les politiques publiques de lecture et du livre du Brésil, donc les enjeux sont énormes, les défis sont énormes. Nous avons fait des progrès au cours des 10 dernières années, de la dernière décennie, mais on a beaucoup reculé ces dernières années. Au Brésil, pour 4 personnes, sur 4 personnes, une seule arrive à lire, comprendre et avoir une analyse critique de ce qu'elle lit. Et nous perdons des lecteurs chaque année, chaque jour, en termes collectifs. Il nous faut donc retrouver notre capacité de lecture de la réalité, ainsi que notre aptitude à créer des histoires, à produire des récits de fiction pour arriver à
faire face au réel. Et enfin, un remerciement particulier à la coopération franco-allemande à Rio de Janeiro, sans qui le projet n'aurait pas pu être financé, encore plus dans le contexte social et politique que nous vivons aujourd'hui. Nous allons démarrer avec un débat sur le genre, passant par l'Amazonie, les mondes dystopiques, et ensuite, à la fin, nous rappellerons à tous les caractéristiques circulaires de la Terre. C'est fondamental dans ce cycle. Je suis très honoré d'avoir nos conférencières avec nous aujourd'hui et la participation de vous tous autour de cette table. Leurs interventions nous montreront des voies et nous ferons part d'expériences à moi et à tout le public qui nous regarde. Merci beaucoup. Merci Vera pour ta contribution au cours de toute la préparation de cet événement et aussi pour les prochaines rencontres. Donc, je remercie encore une fois Robin Malik, Vincent Zonka et Marcus Granato. Et je vais vous présenter l'animatrice de notre premier panel de débat, qui est la docteure Patricia Spinelli, qui fait partie de l'équipe de coordination, éducation et popularisation de la science du musée d'astronomie. Et je te passerai donc la direction maintenant de cette séance. Je vais faire une présentation. Alors, Renate est docteur de l'Université Ludwig-Maximilians Universität et Max Planck Research en Allemagne. Elle a fait un stage postdoc à l'Université de São Paulo et elle est chercheuse du Musée d'astronomie depuis 2013. C'est donc qui fait la coordination et je reviendrai juste à la fin pour remercier tout le monde. Merci Renate, bonjour, bonsoir à ceux qui sont en Europe. Nous sommes très heureux de pouvoir démarrer notre premier panel sur la visibilité ou l'invisibilité des femmes dans la science. J'aimerais démarrer par salut fraternel aux représentants des institutions aujourd'hui et vous remercier toutes et tous qui nous accompagnent, même dans cette époque si difficile, en remerciant particulièrement nos invités. Alors, ce panel rend hommage à la Polonaise naturalisée française Marie Skłodowska-Curie, que vous connaissez tous parce qu'elle a été lauréate de deux prix Nobel. Ça a été la première femme à remporter un prix Nobel en physique, la seule femme qu'il ait remporté deux fois et aussi la seule personne à avoir reçu ce prix dans deux domaines scientifiques différents. Donc, une savante dont les études mathématiques de la radioactivité ont révolutionné le domaine de la physique et de la chimie et qui a rompu de nombreuses barrières qui étaient imposées aux femmes à la fin du 19e siècle, début du 20e, comme par exemple le droit de faire des études dans son pays d'origine. Les découvertes de Marie Curie, dont beaucoup ont été réalisées avec son partenaire de travail et de vie, Pierre, et d'autres encore après son décès, ont apporté des contributions fondamentales dans les domaines des sciences exactes, mais aussi à la médecine appliquée. Donc l'imagination autour de ces découvertes a été appliquée à d'autres domaines de connaissances et elle-même s'est consacrée à la recherche des radiations sur les tumeurs. Et donc, Marie Curie est une étoile si brillante que même face à d'énormes difficultés structurelles de son époque, n'est pas tombée dans l'ombre comme ça a pu être le cas d'autres savantes au cours de l'histoire. Et elle a donc reçu ces deux prix Nobel. Et pendant longtemps, elle a été une des rares savantes que l'on voyait dans les livres
pédagogique de sciences et pour servir de référence à de nombreuses jeunes femmes, une référence de chercheuses femmes. Et ce thème sera débattu aujourd'hui avec de grands spécialistes de trois pays différents, la professeure Bettina Stefano Lima du Brésil, Christina von Braun d'Allemagne et la professeure Bernadette Vincent de France. Excellente opportunité pour rendre hommage à Marie Curie et débattre aussi avec nos invités l'invisibilité des femmes dans la science. Comme Renata a dit au début, on peut après ouvrir pour les questions sur le chat et à la fin, nos invités vont pouvoir répondre. Par conséquent, pour commencer, nous allons donc appeler Dr Bettina Stefanelli Lima, qui a une grande relation, diplômée en relations internationales de l'Université de Brasilia, spécialisation en anthropologie de l'Université catholique de Brasilia et master d'histoire de l'Université de Brasilia, doctorat en sciences sociales de l'Université d'État de Campinas et depuis 2002, elle est analyste en sciences et technologies du Conseil national de développement scientifique et technologique, le CNPq. Et là, elle coordonne le programme d'initiation scientifique et le programme Femmes scientifiques. Bettina a créé le terme labyrinthe de cristal que nous utilisons ici beaucoup quand nous utilisons la vie des femmes scientifiques brésiliennes. Bettina, un grand merci d'être là. Bienvenue et je vous passe la parole. Je vous remercie. Tout d'abord, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. J'aimerais beaucoup remercier à l'ambassade de France de cette opportunité qui est effectivement celle de donner de la visibilité à ce thème. C'est un thème très important pour l'équité des genres dans les sciences et dans les technologies. Je remercie également toute l'équipe impliquée avant, pendant et cet événement, tous les traducteurs. Je remercie également tous ceux qui sont ici, qui nous regardent, et spécialement les autres participants, Patricia, Christina, docteur Patricia, docteur Christina, docteur Bernadette. Je vais partager mon écran. Eh bien, comme Dr Patricia vient de le dire, mon objectif ici est de parler sur la participation des femmes, les problèmes qui existent toujours. À partir de mon expérience comme analyste en sciences et technologies, j'ai expliqué pour le problème d'initiation scientifique, des femmes scientifiques, que, également sur les recherches que j'ai faites pendant mes études. Donc, il me semble que la première question que l'on peut poser, c'est dans ce débat, c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi important de débattre cette équité de genre dans les sciences, la technologie? Et là, la première raison discutée, c'est parce qu'il s'agit d'une question démocratique, de droit. Il faut fournir toutes les conditions et les opportunités pour que les femmes soient sur tous les espaces sociaux, y compris la science, la technologie. C'est la première raison et importante. La deuxième, moins débattue, mais qui apparaît déjà dans la littérature, c'est parce que l'équité des genres et la plus grande représentation, la plus grande diversité, crée un impact sur le résultat de la science et de la technologie. À savoir, avec plus on a de la diversité, plus on aura d'autres questions, d'autres opportunités, et une science qui a une possibilité de réponse beaucoup plus importante et robuste pour les défis auxquels nous devons faire face. Et un autre point de cette question, c'est que nous ne pouvons pas laisser aller au gâchis toutes ces femmes qui sont capables dans les sciences, parce qu'il y a d'autres problèmes qui ne concernent pas le mérite. Et là, bien entendu, l'impact sur ce troisième point, qui est le développement social et économique du pays. Et là, lorsqu'on m'a parlé, on m'a invité à cette table avec ce thème de Marie Curie, la première question que je me pose, c'est: et si Marie Curie avait renoncé? Et si Marie Curie avait renoncé,
Ce serait une perte pour elle personnellement et une perte énorme pour tout ce qu'elle a exprimé, pour toutes les femmes pour lesquelles elle a ouvert les portes, pour ce modèle, cette inspiration, cette icône. Quand on pense à une femme scientifique, bien sûr, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Marie Curie, parce qu'elle a une trajectoire absolument brillante. Elle a été la première, la pionnière sous plusieurs aspects, professeure à la Sorbonne, et prix Nobel. Et je pense que Patricia a mis en exergue, mais les autres professeurs vont en parler aussi certainement. Mais il faut parler sur un autre aspect. Qu'est-ce qui aurait été pour la science et pour le monde? Comment la science et le monde seraient si Marie n'avait pas existé? Et voilà, c'est sur quoi il faut mettre le focus. Parce que j'imagine que ce serait sans les découvertes des éléments, la radioactivité et tout ce qui a été fait et qui peut être encore fait au moyen de ce qu'elle a apporté. Et là, il est important de dire que dans cette question, l'équité de genre dans la technologie et dans la science, ce n'est pas un problème des femmes, c'est un problème de la société dans son ensemble. Dans la littérature, ce que l'on débat, ce sont ces deux types de ségrégation ou sous-représentation des femmes dans la science, qui n'est pas une question uniquement du Brésil. D'autres pays ont également ce problème de ségrégation et ces concepts ont été abordés par Margaret Cossité également. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Quand on regarde les données, la plus grande participation des femmes dans l'enseignement supérieur depuis 2010, les femmes ont une participation paritaire dans les groupes de recherche du CNPq. Elles ont une participation paritaire également pour les bourses de formation scientifique et il faut savoir quels sont ces défis, c'est-à-dire les principaux qui nous sont apportés par la littérature. Une sous-représentation dans certains domaines de la connaissance, qui sont des domaines construits historiquement comme des aires masculins, et la sous-représentation verticale, qui sont la représentation les femmes dans les postes de prestige et de pouvoir. Et là, pour parler un petit peu de cette ségrégation horizontale, je vous apporte les données du CNPq, qui est notre agence nationale d'encouragement, de destination à la connaissance. Et dans tous les domaines, nous voyons déjà qu'il y a des disparités. Les oranges sont les bourses pour les hommes. Et on voit que dans ces domaines que j'ai cités, surtout, il y a un nombre plus important pour les hommes. Si on va à la prochaine diapo, seulement les bourses de productivité et de recherche. Et que sont ces bourses de productivité et recherche? Au Brésil, ce sont des bourses d'études qui sont données aux chercheurs qui ont déjà été reconnus par les pairs. Un capital scientifique important qui va créer un autre type de capital scientifique, des ressources, capital symbolique. Donc, lorsqu'on parle de ces bourses d'études, on se rend compte que l'on réduit de façon expressive la participation des femmes et on ne voit pas, les données y sont depuis 2005, on ne voit pas vraiment un changement expressif de ces données le long du temps. En ce qui concerne la ségrégation verticale, et là, nous avons les données des bourses d'études et on se rend compte qu'il y a une certaine parité des bourses de formation dans le doctorat, par exemple. Et je pense que depuis 2001, ces données se répètent. Mais lorsqu'on parle de bourses de productivité et de recherche dans tous les domaines, les femmes représentent 35%. Dans le cas de la bourse de productivité et de recherche, elle a des niveaux. Et le niveau le plus important, c'est 1A. Qui représentent les ressources plus importantes. Et là, les femmes sont autour de 23% ou de 6%. Alors, quand on prend les données, je ne les ai pas apportées, mais les données de la ségrégation horizontale et verticale, si on sépare ces données, combien de femmes en productivité et recherche sont en physique au poste plus important de leur carrière? Ceci va se réduire aussi. Donc, ce sont des ségrégations qui rentrent les unes dans les autres. Et là, j'ai un banner, un poste qui fête les 30 ans de ce prix au Brésil, le prix Álvaro Alberto de Sciences, qui existe depuis 1981 et qui est accordé, qui est octroyé à toutes les
chercheuse et qui est accordé, octroyé à un chercheur qui a apporté une contribution très importante pour le pays. Ce poste est de 2012, mais depuis cette époque, on a eu deux femmes chercheurs qui ont, auxquelles ce prix a été octroyé. Alors, qu'est-ce que ceci nous apporte? On a un défi énorme. J'utilise ces indicateurs, mais on en a d'autres aussi. Et on peut parler de cette sous-représentation des femmes dans des postes de prestige et de visibilité. Et là, je vous apporte un autre débat qui concerne le cas du Brésil, surtout le débat concernant la représentativité ethnico-raciale. Dans toutes les bourses du CNPE, nous avons pratiquement 58% données de 2015 qui sont accordées à la population blanche. Et exactement de la même manière, c'est ce qui se passe par rapport au genre et par rapport à aux races. Plus ce chemin de la carrière, ce top de la carrière est haut, petit à petit, on améliore la participation de la population noire. Et là, je vous parle un petit peu des analyses que j'ai faites pendant mon master. Pendant mon master, je suis entrée au CNPq pour travailler en mathématiques, je me suis aperçue qu'il y avait une majorité d'hommes dans les comités pour les bourses accordées, et j'ai donc saisi l'occasion où les chercheuses de la physique étaient en train de s'organiser autour des questions pour faire une recherche en physique et en productivité et en recherche au moyen d'interviews semi-structurées dans les manifestations organisées par elles. Et là, ma question est la suivante. Essayez de faire une cartographie lors des interviews, quels avaient été les obstacles pour arriver à cette position dans leur carrière. Et même, j'ai entendu beaucoup parler d'un toit de verre, comme si les femmes avaient une carrière tout à fait tranquille, facile, et à un moment donné, elles se heurtaient à une barrière de verre, qui n'est pas une barrière formelle. Mais là, on n'est pas là pour parler de ces mêmes obstacles que Marie Curie a rencontrés. Certains restent de nos jours. Marie Curie a été obligée de sortir de la Pologne pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, on a l'accès. Il n'y a pas de loi qui interdise les femmes d'être partout, dans tous les endroits de la science, de la technologie, de la connaissance. Mais effectivement, elles n'y sont pas. Conformément à ce que j'ai présenté dans les données et dans les concepts. Et donc, à partir de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai cherché, j'ai compris que ce n'était pas vraiment un toit de verre, mais d'un labyrinthe de cristal. Parce que tout ce dialogue des études sociales, de technologie, tout ce plancher culturel que nous avons en termes de sexisme, il existe également dans la science. La science est humaine, elle est sociale, elle est historique. Par conséquent, ce labyrinthe de cristal, j'y ai pensé lorsque j'ai entendu les obstacles lors de l'accès, lors du choix de la carrière qui était en permanence dans ces endroits, qui dépendait des violences, du vécu, de la vie de ces femmes. Et j'ai pensé également au rythme et si elles allaient effectivement arriver au top. Donc, ce labyrinthe de cristal a été pensé exactement dans ce sens. Ce sont des obstacles non formels et multiples de toutes les diversités. Et on peut penser à ce sexisme qui arrive même avant l'entrée à l'école, dans l'éducation formelle, dans l'ambiance familiale, par exemple, dans l'environnement des familles. On a parlé de plusieurs multiples journées de travail, multiples heures de travail. Et enfin, lors de mon master, je me suis inspirée dans un concept de Rita Segato, qui a été mon tuteur de master, où elle parle de sexisme automatique. Et c'est là que j'ai lu beaucoup que j'ai vu beaucoup des vécus, des expériences qui m'ont été apportées par les chercheuses, à savoir ce sexisme basé sur la logique de genre, où il existe deux pôles entre le masculin et le féminin, mais dans ce rapport, ce n'est pas un rapport banal, c'est un rapport de hiérarchie. Le masculin est positivé, il retire le pouvoir, la valeur du féminin. Et cette logique était répétée, elle était reproduite, répétée et reproduite. Donc, plusieurs rapports
sur ces violences qui peuvent être pensées comme une violence morale, mais qui est produite tout le temps. Par exemple, une femme chercheuse rentre à l'université, il y a déjà l'intersectionnalité, elle est jeune, elle a été donnée un cours de physique et les élèves ont pensé que c'était du bizutage. Donc, voilà un cas. Et fondé sur ce concept, je vous en ai apporté un autre, qui est le sexisme instrumental, qui traite et qui est lié également au sexisme automatique, mais qui apporte cet élément. Lors d'une dispute de pouvoir, la hiérarchie est menacée. Là, il y a une ressource. Il y a... Là, on voit, on dit... qu'elle avait une histoire avec un autre physicien. Alors, si elle a gagné ce débat, si elle a gagné ce prix, c'est parce que tu utilisais un parfum qui m'a déconcentré. C'est-à-dire, on va au féminin du parfum pour retirer le mérite de certaines actions. Et avec ceci également, pendant ce parcours du labyrinthe de cristal, je me suis rendu compte qu'au début, quand j'ai commencé à faire ma recherche en 2005, il y avait un refus, il y avait un préjugé et une douleur qui établit un dialogue avec le fait scientifique comme méritocratique et neutre, comme s'il ne reproduisait pas ces valeurs. Et également de trajectoires de femmes qui se sont éloignées de cette femme commune. Elles avaient été les seules qui avaient eu la bourse. Et enfin, je pense, il me semble, dans les grands mérites du programme Femmes et Sciences, dont on peut parler après, un des grands atouts a été apporter cette question de la visibilité à la surface. De plus en plus, on voit un mouvement de femmes scientifiques au Brésil qui apporte toutes ces questions à la surface. Et je pense que des obstacles, lorsque j'ai fait, ce dribble de la douleur est celui qui est dilué le long du temps et avec l'avancement. Une autre donnée dont je me suis aperçue lors de ma recherche et dans la littérature, c'est que cette construction de la science et de ce qu'est être femme. Et dans ce discours central hégémonique, qu'est-ce que c'est qu'être femme? C'est exactement l'opposé de ce qui est nécessaire, adéquat pour être une femme scientifique. Et là, il y a plusieurs choses. La maternité aujourd'hui, c'est un des éléments qui apparaît. Si pour les femmes, il y a le rêve encore d'avoir la maternité qui doit être observée dans ce modèle, de l'autre côté, la maternité, c'était un empêchement pour la carrière scientifique parce que ça créait un impact dans le temps, sur la mobilité de la femme. Une autre chose, c'était le mariage aussi, et je ne m'y attendais pas. Le mariage, parce que dans ce groupe où j'ai fait mes recherches, il y avait une certaine endogamie disciplinaire, c'est-à-dire beaucoup de physiciens se mariaient avec des physiciennes. Et là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une difficulté de concilier et la charge du maintien de la famille et de cette relation amoureuse retombait sur les femmes. Ce qui m'a fait penser à l'effet Camille Claudel à l'époque, qui disait dans les rapports que j'ai lus, il y avait une rivalité entre eux sur le phénomène que l'on appelle les carrières qui sont emboîtées, c'est-à-dire tous les choix faits pendant la carrière étaient liés au choix des maris. Donc, lui, il avait un doctorat dans un autre pays, elle faisait son master, elle laissait son master, elle essayait de trouver une opportunité sur place, mais ça n'avait pas été un choix. Et l'autre, c'était l'effet Mathilde, c'est-à-dire d'être... C'est ce qui se passe entre les couples, par exemple. Sur l'effet Mathilde, peut-être que quelqu'un d'autre va en parler, c'est ce phénomène qui a été pensé parallèlement avec l'effet Mathéus, qui dit que plus le capital scientifique existera, c'est ce que l'on voit sur les bourses, plus il y aura de capital scientifique, plus on arrivera à attirer. Et ceci est basé sur une phrase biblique, plus tu as, plus tu l'auras. Et le contraire, moins tu as,
plus il est facile de t'en retirer encore. Donc, quand on collabore avec un chercheur, que ce soit un senior et qui peut-être, on va voir que ce travail va avoir plus de possibilités d'être attribué à cet homme senior qu'à une chercheuse. Et la logique même de la science, de citer seulement les noms de famille quand on écrit un article, ça nous mène déjà à ceci, parce que s'il y a un couple qui a le même nom, on imagine toujours que c'est le chercheur qui a fait le plus gros du travail. C'était un peu ceci, les axes dont on a parlé, comme je vous ai dit, l'axe d'inclusion, de pensée, et pour changer ce scénario en axe de transformation institutionnelle, et effectivement, faire en sorte que la science devienne plus accessible et perméable pour les femmes. Et l'idée qu'il faut incorporer la perspective de genre dans les transformations de la science et dans la formulation même des questions. Je crois que j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Et sans aucun doute, donc, la plus grande contribution a été d'amener la visibilité du thème, la porte d'entrée, le vecteur pour cette discussion qui se produit au Brésil. Et on a aussi de nombreux enjeux, de nombreux défis pour arriver à l'égalité. Et pour conclure, je dirais qu'il est possible et désirable que toutes soient des Marie Curie dans la science. Est-ce que c'est possible et désirable, souhaitable? Bien sûr, on voudrait beaucoup de talent, mais on ne peut pas vouloir que toutes soient l'héroïne qu'a été Marie Curie, hein, pour arriver au succès qui a été le sien. Et donc, il faut vraiment une transformation du système scientifique pour vraiment intégrer la diversité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Bettina. Vous nous avez apporté une excellente réflexion sur le panorama brésilien. J'aimerais inviter tous ceux qui nous entendent à réfléchir là-dessus. Si Marie Curie n'avait pas existé, combien de Marie Curie on aurait perdu au Brésil? J'aimerais dire que votre contribution, Bettina, votre recherche sont en train de transformer le panorama brésilien. Le programme que nous menons au musée du MAST sont inspirés de projets financés par le CNPq et a été ensuite financé par le propre CNPq. Et nous travaillons avec des jeunes femmes, sur ces concepts et en nous inspirant de ces personnages aussi historiques qui aident les jeunes femmes à s'identifier et à rechercher des carrières scientifiques. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur notre chat et à la fin, Bettina y répondra. Notre prochaine invitée est le professeur Dr Christina von Braun, qui est scientifique culturelle, théoricienne du genre, auteur, cinéaste et professeur émérite en sciences culturelles de l'Université Humboldt à Berlin. Elle est l'une des principales références dans le débat sur les questions de genre en Allemagne. Elle a fondé et dirigé le programme d'études de genre de cette même université dans les années 90, lorsque le sujet était encore loin de recouvrir l'importance qu'il a actuellement dans le monde. Elle est titulaire de la chaire d'histoire aussi en ce moment à la même université. Donc, Christina von Braun, soyez la bienvenue. Je vous passe la parole. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand honneur et un plaisir de pouvoir parler avec vous en français, en allemand et en portugais. Je pense que je pourrais être au Brésil, ce serait fantastique. Et si c'est l'hiver qui va commencer, je ne vais pas parler
que d'une seule structure. Je vais essayer de donner un panorama général sur les femmes et la science, une question qui m'occupe depuis fort longtemps. L'Allemagne a produit indéniablement de grandes innovations scientifiques, mais dans un domaine, elle a démontré qu'elle était très en retard, qui est l'admission des femmes à l'éducation universitaire. À une époque où les pays comme la Grande-Bretagne, la France, la Suisse ou les États-Unis avaient déjà ouvert les portes de l'université aux femmes, il était d'importants scientifiques allemands débattaient encore pour savoir si les études académiques n'étaient pas préjudiciables au corps de la femme et à leur nature. C'était moins la tête que le ventre qui était thématisé. Ça semblait une dégradation des femmes, de leur donner une éducation savante. Pour un économiste, la femme qui allait au pupitre, à la Cour de justice, à la tribune tous les jours, ça pourrait être très honorable et utile, mais ce n'est plus une femme, elle ne peut pas être femme. Alors, l'historien Heinrich von Sybel disait que tous tremblent quand ils entendent parler d'une avocate, d'une écrivaine ou même d'une journaliste. Et les médecins tremblaient à l'idée que l'activité scientifique des femmes puisse causer aussi des dommages héréditaires. Je pense, disait l'un d'entre eux, à la transmission héréditaire de la myopie et de la disposition nerveuse qui sans doute augmenteront chez une femme qui étudie. Également, le célèbre Max Planck s'est uni à ce cœur masculin. Il pensait que ce n'était pas bon d'attirer les femmes vers les études, car, disait-il, les Amazones dans le domaine de l'esprit sont contraires à la nature. On ne dira jamais assez que la nature elle-même a prescrit aux femmes leur métier de mère et de maîtresse de maison, et que les lois de la nature ne peuvent pas être ignorées en aucune circonstance sans grave dommage, ce qui, dans le cas présent, serait particulièrement évident pour les prochaines générations. C'était les idées que l'on avait à l'époque. Quelques décennies plus tard, les femmes ont commencé à peupler les universités, d'abord comme étudiantes et ensuite comme professeurs. Et après un long combat, la Prusse a également décidé d'admettre le sexe féminin à l'université en 1908. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'était les lois de la nature qui ont été tout d'un coup qui ont été annulées tout d'un coup, ou est-ce que au cours de courtes décennies, est-ce qu'il y aurait eu un changement radical dans le corps féminin, bien sûr que non. La réponse, c'est le constat que l'interdiction culturelle pour les femmes n'a jamais trouvé son origine dans la nature. D'abord, cela soulève deux questions. D'abord, parce qu'un ordre de genre culturellement déterminé s'est enraciné si profondément dans la perception humaine et également scientifique, jusqu'au point d'être considéré naturel. En deuxième lieu, pourquoi cette idée a-t-elle tout d'un coup perdu sa plausibilité, son admissibilité autour de 1900? Au début, je ne le savais pas, mais ces deux questions me poursuivaient depuis que je me souviens, depuis que j'ai une mémoire. La recherche de réponses a commencé il y a des décennies, dans mon cas et celui d'autres femmes, des anthropologues, des sociologues, des historiennes, des biologistes sont venus de nombreux pays et nous avons appris les unes avec les autres. J'ai essayé de me rapprocher de possibles réponses avec les films que j'ai faits, les livres ou les essais que j'ai écrits, et j'ai travaillé
avec un matériel historique et culturel de différents domaines, la philosophie, les études littéraires, l'histoire de l'art ou la religion. Mais dans chacun de ces traités, surgissait toujours à un moment donné, que je le veuille ou non, la question du genre. À un certain moment, j'ai fait une série de films sur les ritualisations de la mort. Beaucoup de rites étaient des stratégies d'immortalité, mais bizarrement, l'immortalité ne concernait que les hommes. Les femmes étaient au maximum destinées au deuil, au rôle de porter le deuil. Dans une autre occasion, j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'hystérie, la maladie la plus ancienne de notre vocabulaire médecin. À chaque époque, inventait pour cette maladie de nouvelles explications, et alors qu'on n'y trouvait aucune cause organique. Et ces explications étaient toujours une bonne illustration en fait, de l'image de la femme à chaque période. Les théories de l'hystérie se sont révélées une encyclopédie de fantasmes masculins sur la nature de la femme. À un autre moment, j'ai filmé un double portrait. D'un côté, c'était l'Académie française, fondée en 1635, qui réunit jusqu'à aujourd'hui les grands esprits de la France et où sont déterminées les règles et le vocabulaire de la langue française. Les dictionnaires, en général, sont déjà dépassés au moment de leur publication, car la langue évolue plus rapidement. L'autre portrait, c'était celui de l'écrivain Marguerite Yourcenar, la première femme admise à l'Académie française en 1980, alors que l'Académie avait déjà 325 ans. C'est devenu un film sur le langage et le genre. Une question très actuelle aujourd'hui en Allemagne et ailleurs, parce qu'il y a un besoin largement exprimé, non seulement par les femmes, de trouver dans le discours un reflet, un écho de la nouvelle réalité sociale, c'est-à-dire de rendre justice avec les mots au fait que dans le sphère culturel, politique, économique et même scientifique, les femmes jouent un rôle qui ne peut plus être négligé. Avec chacun de ces travaux, ce qui réunissent aujourd'hui près de 50 films et près de 10 livres, je me suis rapproché petit à petit de la réponse aux deux questions posées au début sur l'établissement de codes culturels de genre et sur le motif de leur effondrement graduel. Entre-temps, j'ai pu ébaucher des réponses raisonnablement brèves, mais ça a mis quelques décennies jusqu'à ce que le puzzle soit complet et la voie jusque-là a inclus des projets de recherche avec de nombreuses chercheuses, mais de plus en plus de chercheurs également. Et la réponse que je vous offre aujourd'hui, je pense, peut donner quelques pistes pour le débat toujours en cours sur le rapport entre les femmes et la science. La soi-disant loi de la nature selon laquelle les hommes sont capables de travail intellectuel et scientifique, mais pas les femmes, a commencé pratiquement dès l'invention des premières techniques culturelles. Avec elles, l'être humain s'est élevé au-dessus de la nature et est passé au sommet de la chaîne alimentaire. Par technique culturelle, j'entends inventions comme la charrue, l'écriture, l'argent et beaucoup plus qui ont permis à l'être humain de domestiquer la nature, de l'exploiter en même temps, de résister à sa domination. Cette élévation de la culture au-dessus de la nature a trouvé son reflet dans les mythes de l'ordre de genre. Dans ces mythes, la culture considérée supérieure était associée à la masculinité alors que le corps féminin représentait la nature soumise. L'attribution de la nature, entre guillemets, à la femme a été évidente. Sa capacité à engendrer a fait en sorte qu'elle semble faire partie du cycle naturel. Jusqu'à aujourd'hui, nous tendons à penser aux femmes comme plus proches de la nature, un argument qui est fréquemment utilisé pour restreindre les femmes aux soins à apporter, à s'occuper des enfants et aux fonctions de soins en général. Je pense que ce sont deux fonctions importantes, mais ce ne sont pas les seuls domaines dans lesquels les femmes peuvent réussir. L'homme, cependant, était vu comme un symbole adéquat pour l'élévation de l'être humain au-dessus de la nature. Et pourquoi? Il y avait seulement une raison à cela. La paternité ne pouvait pas être prouvée. Cela a prédestiné le corps masculin à devenir la figure symbolique de la culture et en même temps à concevoir
le père dans les catégories de l'esprit. Cette idée a dominé toute l'Antiquité. Pater semper incertus est. Le père est toujours incertain, disait la loi romaine, en même temps l'élever à une autorité omnipotente. La paternité biologique n'était pas importante. Qui est le père? C'était la loi qui le déterminait, c'était écrit dans les livres. Ligne paternelle était inscrite dans les arbres généalogiques, les religions des Écritures qui attribuaient aux prêtres hommes le droit exclusif de déterminer le régime des règles divines et d'assurer qu'elles soient respectées. En somme, le père et donc la masculinité ont été transformés en institutions culturelles, ce qui a impliqué que seuls les hommes aient accès à l'éducation, à la connaissance de l'écriture, à la maîtrise de l'économie, et ainsi de suite. La domination masculine garantissait, et ça c'était l'idée, que la culture puisse continuer à s'élever au-dessus de la nature et la domestiquer. Cependant, cet ordre s'appuyait sur un socle mouvant, hein, car donc le socle de la structure sociale, connu comme patriarcat, était l'incertitude sur la paternité. C'était un prérequis pour concevoir le père en tant qu'être de l'esprit. Le livre « Une brève histoire de l'humanité » de Yuval Noah Harari, qui a été publié à des milliers d'exemplaires, illustre très bien l'aveuglement de la recherche scientifique moderne là-dessus. Harari se demande pourquoi le patriarcat a été la règle dans presque toutes les sociétés agricoles et industrialisées. Bien que chaque culture définisse l'homme et la femme de manière différente, on peut, dit-il, supposer donc qu'il y ait des raisons également biologiques pour le fait que toutes les cultures privilégient la masculinité au détriment de la féminité. Il énumère alors les raisons présentées par les chercheurs pour expliquer cet état de choses. D'abord la force musculaire, ensuite le comportement agressif plus fort, ensuite les gènes patriarcaux, c'est que l'évolution aurait développé comme stratégie de survie. Mais il présente aussi des arguments valables contre chacune de ces raisons. Enfin, Harari affirme, il y a de nombreuses théories, mais aucune n'est complètement concluante. Nous n'avons pas de réponse à ces questions, conclut-il. Et si la recherche scientifique avait simplement persisté dans l'erreur en se concentrant sur les raisons biologiques, si elle avait posé la question du rôle des techniques culturelles dont l'impact important sur l'effet de la nature et de la société humaine, Harari décrit lui-même en détail des effets accablants sur l'effet de la nature, peut-être que là, on aurait compris. C'est précisément ces techniques culturelles qui ont configuré la hiérarchie et en font partie autant que l'écrit et que la religion. L'alphabet, avec ses rares caractères, un système d'écriture qui peut être transféré vers d'autres langues, a été une technique culturelle particulièrement développée. Le monothéisme a surgi parallèlement à l'apparition de l'alphabet, le dieu abstrait raconté pour la première fois dans la Bible, est une réplique du processus d'abstraction par l'alphabet. Comme fondatrice de la religion, l'écriture a eu un effet particulièrement profond sur l'ordre du genre. Elle a conféré une légitimité transcendante à l'ordre culturel de genre. Il n'est pas étonnant que l'idée de masculinité intellectuelle et d'incapacité culturelle des femmes ait pu s'enraciner si profondément dans le psychisme collectif. Voyons maintenant les raisons du déclin de ces convictions, un déclin qui d'un côté a été profond, mais d'un autre côté s'est produit à une vitesse rare si on la compare à d'autres changements de mentalité de cette ampleur. Paradoxalement, ce déclin a été provoqué justement par cette culture et cette science qui jusque-là avaient légitimé la suprématie masculine. Cela a commencé avec les nouvelles découvertes dans la médecine et la biologie. En 1677, Anthony van Leeuwenhoek de Delft a découvert avec un microscope qu'il avait construit lui-même, il a découvert le spermatozoïde. Il a
compris que les petites testicules étaient là seulement pour former ces petits animaux. Presque en même temps, Rainier de Graaf, toujours à Delphes, a identifié le follicule ovarien dans l'ovaire, sur l'ovaire. Il a décrit à ce moment-là la fonction des trompes de Fallope. Avec ces découvertes, a commencé en Europe une nouvelle recherche scientifique sur la reproduction. En 1827, Karl Ernst von Baer a découvert l'ovule humain et l'ovulation. Et autour de 1875, les perfectionnements de la technologie du microscope ont permis de visualiser la fusion entre le sperme et le noyau de l'ovule. À ce moment, il a fallu faire face au constat que les enfants, enfin la descendance humaine, porte le matériel héréditaire biologique des deux parents. Le terme héritage a pris alors une double signification. Alors que jusque-là, il se référait à peine aux faits juridiques, les biens hérités, il incluait désormais des faits biologiques. Une conséquence a été que les femmes, qui avaient été de plus en plus exclues des héritages au cours des siècles précédents, avaient désormais le droit d'hériter. Quand la génétique, qui s'est développée au XXe siècle à partir de la recherche biologique, en 1984, elle a pu fournir la preuve définitive de la paternité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le concept de paternité comme lié à l'esprit s'est complètement effondré. Il est apparu clairement que le père devait être conçu comme non moins naturel, entre guillemets, que la mère. C'est la toile de fond qui nous permet aujourd'hui de comprendre comment ces grandes transformations ont pu se produire en si peu de temps et comment un ordre de Gère qui avait déclaré le corps masculin comme étant culture et ainsi étant le moteur de l'innovation scientifique, artistique et intellectuelle, a perdu sa plausibilité. La naturalisation de la masculinité impliquait au contraire que la féminité ne pouvait se réduire simplement à la nature. De son côté, il fallait aussi la penser en termes d'esprit. En quelques décennies, les femmes ont obtenu le droit de vote, ont été admises dans l'enseignement supérieur et ont gagné l'indépendance économique. Ces grandes transformations sociales ont été accompagnées d'un nouveau scepticisme généralisé par rapport à la foi et au progrès dans la technologie. Au lieu de cela, on est passé au premier plan l'idée qu'il ne s'agit pas de dominer et d'exploiter la nature, mais de la préserver. L'industrialisation avait ouvert les yeux des gens pour les limites de la croissance et pour la destruction causée par les techniques humaines. Les vieux paradigmes certainement durent jusqu'à aujourd'hui et il y a de nombreuses stratégies pour assurer les prérogatives masculines et repousser les femmes vers les cadres traditionnels. Elles vont depuis des projets de loi pour nier aux femmes le droit à l'avortement, à la restriction des femmes ce qu'on appelle les obligations maternes, jusqu'à la différence salariale entre les genres et le slogan misogyne de haine sur les réseaux, très souvent accompagné de violences ouvertes contre les femmes. Mais ceci ne change pas le fait que l'ère du patriarcat est arrivée à sa fin, parce que la base sur laquelle elle s'appuyait, le concept intellectuel de paternité, ne tient plus debout. Également, les hommes, parmi ceux-ci les scientifiques, se sont rendus compte de ceci depuis très longtemps. Beaucoup d'entre eux sont actifs dans des mouvements qui défendent l'écologie et la durabilité, et même l'économie pendant très longtemps, un domaine fertile pour la fantaisie du pouvoir masculin, s'est ouverte à la réflexion. Ainsi, par exemple, une étude de longue haleine qui s'étend depuis 1980 à 2005 et qui a compris 123 pays a montré que les droits des femmes ont une grande importance, non seulement pour les femmes en question, mais également pour le bien-être de leur pays. Conformément à cette étude, la prise de pouvoir des femmes s'est prouvé un moteur décisif du progrès économique. Urbanisation, croissance économique, aide au développement et religion, d'un côté, ont fait preuve
de peu d'influence. L'éducation n'a pas créé d'impact non plus parce que lorsqu'elle était restreinte aux hommes. Aujourd'hui, les droits de la femme sont un élément central de toutes les théories politiques et économiques de la modernisation. Conjointement avec l'écologie et les efforts vers la durabilité, ceci donne une marge à l'optimisme pour ceci donne lieu à l'optimisme pour le futur, pour l'avenir. Merci beaucoup, Christina von Braun. Merci beaucoup, Christina von Braun. Excellente présentation. Excellente considération. Concernant la question du patriarcat, nous avons déjà certaines questions sur notre chat. Et ça me fait penser, j'ai fait mon doctorat en Allemagne, je suis physicienne. Et je me rappelle combien l'Allemagne avance dans plusieurs domaines. Mais cette question des femmes dans la science, ZESAT, est encore un problème assez compliqué. Le pourcentage des femmes dans ces sciences en Allemagne est beaucoup plus réduit qu'au Brésil. Je me rappelle un épisode d'avoir été à l'université de Heidelberg pour travailler dans une circonstance certaine et c'était compliqué de trouver des toilettes féminines. Donc encore aujourd'hui, nous avons des questions comme celle-ci, mais d'autre part, j'ai eu une directrice femme qui a été un exemple pour moi, et c'est avec elle que j'ai appris toujours, lorsque j'écrivais des emails, à les envoyer à des hommes et des femmes en utilisant le genre masculin et féminin des mots. Parce que le portugais, c'est une langue où les genres ont une différence dans l'écrit, comme l'allemand également. Le genre féminin, le genre masculin et le neutre. Et donc, ces emails qu'elle écrivait, elle utilisait toujours les genres dans ses emails et dans ses présentations. Et justement, lors de ces débats, c'était très important de le faire, encore que l'on soit peu, que les femmes aient été peu lorsque j'ai étudié en Allemagne. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis maintenant, pour clore notre débat, les contributions pour ce débat, nous allons entendre notre prochaine invitée, professeure Dr Bernadette Bensaoud Vincent. Elle ne peut pas être là présente, mais elle a enregistré une vidéo. Et elle est professeure émérite de philosophie de la science et de la technologie de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre de l'Académie de technologie. Elle se dévoue également à l'étude historique des relations entre science, culture et société. Donc, nous allons projeter cette vidéo du docteur Bensaoud Vincent, la doctoresse, et par la suite, nous partirons au débat. Bonsoir, je suis Bernadette Vincent et je suis heureuse de vous parler de Marie Curie dans ce programme Invention et imagination pour le public brésilien et j'espère que vous aimerez entendre les images qui concernent Marie Curie. Ok, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler de Marie Curie, star de la science. En évoquant la carrière de Marie Curie, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur l'étrange destin posthume des femmes de science qui ont réussi à s'imposer et conquis la renommée. Qu'est-ce qu'il en coûte d'être une star scientifique, une femme célèbre, dans un monde très masculin, c'est-à-dire un monde qui est dominé par les hommes? Marie Curie, alors ses dates, je vous rappelle, 1867-1934, a conquis la renommée dès son vivant et même dès le début de sa carrière grâce à deux prix Nobel, le prix Nobel de physique en 1903 et le prix Nobel de chimie en 1911. Elle est devenue une légende, un symbole national en France. Dans presque tous les villages et les villes de France, vous trouverez une rue Pierre ou Marie Curie, Pierre et Marie Curie quelquefois.
des écoles Marie Curie, des lycées Marie Curie, des universités Pierre et Marie Curie. Et reconnaissance suprême, en 1995, Marie Sklodowska, renommée Marie Curie, est entrée en grande pompe au Panthéon, c'est-à-dire le monument de la patrie aux grands hommes. Et elle est entrée au Panthéon escortée de son mari, Pierre Curie. Marie Curie est donc désormais une sainte laïque, un monument national, un lieu de mémoire. Ce qui me frappe, c'est que cette statue de Marie Curie, loin d'être figée dans la pierre, est curieusement malléable, indéfiniment plastique, toujours disponible pour être mise au service de différentes causes. Or, même si ces clichés ont peu de rapport avec la personnalité réelle de Marie Curie, eh bien, ces vignettes s'enracinent dans sa biographie, dans sa vie. Je vais vous présenter ici quelques vignettes de la femme de science inspirée par Marie Curie, ces images véhiculées par la presse, les livres, les films, sont inspirées par des épisodes bien réels de sa vie. Ou ces clichés en disent long sur l'imaginaire de la femme dans la société du XXe siècle. Alors, première vignette, ou première image, Marie Curie, une faible femme dans la misère. C'était à l'occasion du prix Nobel de 1903, attribué conjointement à Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie. La presse a brossé dévoilant les trésors dans un misérable hangar. On représente Marie Curie souvent vêtue d'une simple robe de coton noir, assise sur un tabouret dans un laboratoire de fortune et auréolée par la lueur du radium qu'elle observe dans un creuset. Avec Pierre Curie, ils défendent résolument la science pure et désintéressée. En particulier, ils ont refusé de breveter le radium qu'ils avaient découvert. L'image d'Épinal du couple de deux savants purs, désintéressés et misérables vient renforcer les récits qu'on trouve dans la presse de l'époque qui ont forgé l'image d'une faible femme, fragile et menue, vouant toute sa vie au progrès de la science et de la connaissance. Ces clichés misérabilistes ont été entretenus par Marie Curie dans sa biographie de Pierre. Mais ils cachent une situation beaucoup plus confortable, car dès avant la réception du prix Nobel de 1903, le couple Pierre et Marie Curie bénéficiait d'allocations diverses et jouissait d'une certaine reconnaissance dans le milieu scientifique français. Deuxième vignette, Marie Curie, une femme froide et redoutable. En 1906, Pierre Curie meurt écrasé dans la rue par une voiture. Et trois mois après la mort de Pierre Curie, Marie Curie prend sa succession à la Sorbonne et dirige son laboratoire. C'est la première femme qui enseigne à la Sorbonne. Son premier cours, délivré le 5 novembre 1906, la veille de son 39e anniversaire, fait l'événement. Une foule impressionnante de mondaines, de curieuses et de journalistes de la presse arrive au cours comme un spectacle. Or, Marie Curie entre furtivement et commence en reprenant le cours de physique là où son mari Pierre l'avait laissé, sans un mot d'allusion à son défunt mari, sans aucune emphase, sur un ton très impersonnel et très professionnel. Son journal intime, en date du 6 novembre, nous révèle ce que cela lui a coûté d'efforts pour maîtriser ses émotions, surmonter sa dépression. Mais son attitude, extrêmement froide, a donné le ton. Marie Curie fait figure de statue,
figure de proue d'une ère nouvelle où les femmes peuvent mener une vie sociale comme les hommes. La chronique du journal relate l'événement de son premier cours en ces termes, je cite. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. C'est un curieux commentaire. La femme deviendrait-elle un être humain ? Le second prix Nobel que reçoit Marie Curie le droit d'être. C'est en effet en novembre 1911 que la presse révèle la liaison amoureuse de Marie Curie avec Paul Langevin dans la presse à l'instigation de la femme de Langevin qui était extrêmement jalouse. Le scandale éclate. Marie Curie est traînée dans la boue par la presse de droite qui la traite d'étrangère qui vient débaucher et pervertir un honnête mariage. Elle reçoit des insultes publiques, ainsi que ses filles, et ces insultes l'obligent à quitter sa maison pour vivre cachée. La Sorbonne la tient à l'écart. Son laboratoire, qui comptait 30 étudiants en 1911, n'en compte plus que 14 en 1914. En plus, elle est battue d'une voix dans sa candidature à l'Académie des sciences. Malgré le soutien de ses amis, notamment la famille Perrin et les Borel, la femme forte s'effondre. Troisième vignette, Marie Curie, la femme combattante héroïque. En effet, malgré la dépression et la maladie qui la tiennent à l'écart du laboratoire pendant des mois, en 1911 et au début de 1912, Marie Curie rédige son rapport d'activité pour 1911-1912 et elle consacre toute son énergie à la construction d'un institut qui s'appellera l'Institut du Radium en France et qui sera créé et financé conjointement par l'Institut Pasteur et l'Université de Paris. Et un institut qu'elle dirigera jusqu'à sa mort. Elle met toute son énergie dans la préparation d'un étalon international du radium qu'elle place dans une ampoule pour ériger son laboratoire en institution de référence pour la métrologie nationale. Et on sent la volonté de puissance qui anime ses propos quand elle explique pourquoi elle fait ça. J'ai été amenée à penser qu'il y avait là un service public de mesure à organiser dont je ne devais pas me désintéresser et qui ne pouvait être utilement établi qu'avec mon concours, en relation avec mon laboratoire. En effet, pour des mesures qui se rapportent à des questions aussi nouvelles, seul un laboratoire où se poursuivrait collaborable sur la scène internationale. Elle veut devenir une personne incontournable pour l'essor de l'industrie du radium. Elle s'impose ainsi au Comité international de coopération intellectuelle dans les années 1920 pour défendre la collaboration et les échanges scientifiques internationaux. Elle est aussi célèbre et écoutée qu'Einstein en 1920. L'image de la femme forte, hardie combattante, affrontant l'univers mâle des scientifiques, a trouvé sa source dans ce que Marie Curie a fait pendant la Première Guerre mondiale. Comme bien d'autres femmes, Marie Curie trouve dans cette guerre une occasion de s'affirmer sur des terrains traditionnellement réservés aux hommes. En effet, dès 1914, Marie Curie se retrouve presque seule dans son laboratoire, car tous ses collaborateurs mâles. Et alors, une lettre de mission du ministère de la guerre
pour mettre en place des équipes de techniciens en vue de créer un service de radiologie qui ira sur le front pour faire des radios des blessés. Elle utilise son réseau de connaissances pour lever des fonds nécessaires à la mise en place de ce service. Elle demande par exemple à certaines dames de la haute société de donner leur voiture pour les transformer en fourgons radiologiques. Elle parvient à équiper 200 voitures qui sont mises en service au cours de la guerre dans le service qu'elle dirige et qui suit le front avec des chauffeurs et sa fille Irène, comme Irène Joliot-Curie, comme assistante. Marie Curie accompagne Irène et puis ensuite, pendant 200 ans, elle donne des cours élémentaires de radiologie à 150 élèves français et américains pour les former à la manipulation radiologique à l'Institut du Radium, qui a été transformée, reconvertie en école professionnelle. Voilà alors que la femme forte devient une héroïne nationale. Quatrième vignette, la femme manager. Après la guerre, Marie Curie ne publie pratiquement plus d'articles de recherche et elle se transforme en manager scientifique. Elle gère une grande entreprise, l'Institut du Radium, qui fait non seulement de la recherche de pointe, mais qui fait aussi des expertises quotidiennes d'échantillons radioactifs destinés à la médecine et à l'industrie. Cela implique la recherche de financement avec des promesses d'application médicale du radium. Elle fréquente alors les banques et les palais des familles riches, par exemple le baron Henri de Rothschild ou la banque des frères Lazare, pour chercher des mécènes capables de financer l'Institut du radium. Elle organise même en 1921 une soirée de gala à l'Opéra de Paris pour lever des fonds en faveur de l'Institut du radium. Par la suite, grâce au soutien d'une journaliste américaine, Mary Meloni, dite Missy, elle organise une campagne de financement de la recherche qui repose sur le Star System. Grâce à son expérience des médias, Mary Meloni, qui est rédactrice en chef de grands journaux aux États-Unis, organise une grande tournée de Marie Curie et de ses filles aux USA pour collecter des fonds chez les grands capitalistes américains. Elle parvient ainsi à mobiliser les grandes fortunes, les associations féministes et les grandes universités américaines en faisant de Marie Curie un symbole de progrès et de grandeur de la science. Marie Curie devient alors une image de la femme scientifique. Cette image, en fait, dissimule l'auto-aveuglement de Marie Curie sur les dangers du radium. Car lorsque, dans les années 1920, on enregistre plusieurs morts parmi les collaborateurs de Marie Curie à l'Institut du radium, lorsque on les ouvrières souffrent de lésions dues au radium, Marie Curie s'enferme complètement dans une et à prendre l'air, à faire des excursions. Elle fait porter la responsabilité des lésions causées par le radium, non sur le radium, mais sur les utilisateurs, comme s'il s'agissait simplement de vivre sain dans un environnement radioactif. Dans son livre sur la radiologie et la guerre, elle reconnaît certes qu'il y a des effets néfastes des rayons X, mais jamais
Laura Guerre un peu comme son enfant et elle s'est complètement aveuglée sur les vertus du radium. Elle-même souffrait de lésions, mais elle a toujours nié que c'était dû au radium. Technologie 4, et à quel point cette époque qui cultivait les bienfaits du radium, les bienfaits de la science et de la technique pouvait dénier les dommages causés par la radioactivité et les mettre de côté et les dénier. Cinquième vignette, Marie Curie, une idole féministe désincarnée. Aujourd'hui, Marie Curie est devenue une idole féministe, mais complètement désincarnée. Cette femme qui a connu la peur, les tourments, la dépression, est devenue quelqu'un qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'âme. Dans la culture populaire, Marie Curie aujourd'hui incarne la raison victorieuse des passions. J'en donnerai un exemple. Pour une poignée de dollars, on peut commander sur Amazon un t-shirt portant l'effigie de Marie Curie, orné de paroles sentencieuses qu'on lui attribue à tort. On peut lire, je traduis en français, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Ces deux phrases que Marie Curie n'a jamais prononcées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Marie Curie est mobilisée, urbi et orbi, pour défendre une certaine image de la science comme source de sagesse et suprême autorité. Et cette image que Marie Curie n'a jamais soutenue, et Marie Curie n'a jamais été féministe, elle n'a jamais embrassé la cause des suffragettes, mais elle est devenue l'égérie d'un féminisme bon teint, politiquement correct. Elle est le modèle du chercheur-entrepreneur, dernier cri de la mode technoscientifique. J'en prends pour exemple les bourses Marie Curie qui ont été créées par la Commission européenne qui exaltent l'excellence scientifique. Ces bourses sont un rouage essentiel de l'univers compétitif de la recherche et de la science internationale qui est totalement en rupture avec les visions de la science défendue par Pierre et Marie Curie. Une science qui est au service de l'innovation, de la compétition économique, alors que Pierre et Marie Curie pensaient et défendaient la science des intéressés. En conclusion, on a vu plusieurs vignettes ou images de Marie Curie. Femme fragile et pure, femme froide et redoutable, femme forte et combattante, femme manager, et enfin, femme égérie d'un féminisme bon teint et politiquement correct. Ce rapide survol de quelques clichés forgés par la presse, les livres de vulgarisation, montre que l'image des stars scientifiques évolue au gré des politiques scientifiques. À chaque époque, on projette sur Marie Curie les vertus cardinales qui constituent l'éthos de la femme exceptionnelle. Le modèle dominant déteint sur l'image modèle. On écrit toujours l'histoire au présent. La statue de Marie Curie est moins un lieu de mémoire qu'un témoin dans son rapport aux sciences. Je vous remercie. Eh bien, nous avons donc conclu les contributions de nos invités avec cette très émouvante histoire de Marie Curie racontée par la doctoresse Ben Saoud Vincent. Donc, je vous invite maintenant, enfin nos invités ici présents, la doctoresse Bentina Stefanello Lima, doctoresse Christina von Braun, pour qu'elles reçoivent les questions
que nos participants laissent sur le chat. Comme je vous ai dit, doctoresse Bernadette ne peut pas être présente ici avec nous ce soir, mais vous pouvez lui poser des questions postérieurement. Je vais donc commencer avec la question d'Angela Freitas à nos invités. Elle demande, comment pourrons-nous nous débarrasser de ce patriarcat dans toute la société et plus particulièrement dans la science? Elle-même, elle répond, elle dit que ce n'est qu'avec l'investissement massif dans l'éducation que nous pourrons le faire. Et nous aimerions savoir ce que pensent nos invités. Je vais donc commencer, ok? C'est une question intéressante et en dépit de tous les positionnements, de toutes les initiatives, ce dont on a besoin pour changer cet ordre de genre et dans le sens de donner des possibilités égalitaires aux femmes et aux hommes dans les diverses fonctions, ce sont des politiques publiques, l'investissement dans des politiques publiques. Et pour compléter ce que j'ai dit, bien sûr, on a besoin de politiques publiques pour la science et la technologie, mais également on a besoin de politiques publiques de genre, de façon transversale. Par exemple, les politiques de crédit, étant donné que les femmes sont souvent tournées vers les soins, ceci va créer un impact sur les activités des femmes. C'est une observation importante que j'ai pu faire à partir de la question posée par Angela. Donc, je dois répondre. Bon. Si vous voulez persister, moi je vous invite à persister, persister et persister. Toujours recommencer. Et ce qui est très important aussi, c'est la solidarité entre les femmes. Ce que j'ai pu apprendre avec d'autres femmes et ce qu'elles m'ont transmis et ce que je trouve aussi, ce que j'ai pu leur transmettre aussi, qu'elles aient été étudiantes ou des collègues, c'est le fait que les femmes saisissent les enseignements les unes des autres, qu'elles apprennent les unes avec les autres. Et ça, c'est fondamental dans cette lutte, dans cette bataille. Et ce n'est pas gratuit. C'est très important toujours de faire tous les efforts possibles et se maintenir toujours dans cette lutte pour pouvoir parvenir à nous aider, à nous entraider. Mais il ne faut pas oublier non plus et l'observation de nous-mêmes, toujours, toujours avoir un regard sur la façon dont moi je me comporte, comment je me comporte. Je suis une historienne culturelle et j'observe toujours l'évolution, le développement. Il est toujours intéressant et important d'observer ce que nous faisons nous-mêmes. C'est essentiel pour pouvoir comprendre où nous sommes et où nous pouvons effectivement changer quelque chose. Bien sûr, voilà, exactement. Et ceci met en exergue, d'une certaine façon, le commentaire que Angela a fait. Elle croit que ce n'est qu'avec des investissements en éducation et cette éducation transversale, bien sûr, qui approche ces points, qui traite ces points, des panels comme ceci, des événements comme celui-ci, qui parlent de ces concepts, pour que nous puissions observer également ces difficultés, ces écueils, ce que l'on souffre, ce qu'on a vu aussi
jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, les physiciennes ont encore de grands problèmes là-dessus, de plus en plus que l'on puisse parler sur ces thèmes, que l'on puisse les exposer, parce qu'au fur et à mesure de cette exposition, les personnes qui n'y avaient jamais pensé, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, commencent à se mettre à penser, à réfléchir. Et donc, ces changements ont lieu petit à petit. Et Alcina Maria Braz Silva, elle pose une question, à savoir, existe-t-il des données sur la relation entre l'invisibilité culturelle féminine et les questions de la sphère économique? Je pense que ce commentaire est assez tourné à ce qu'a dit le professeur Christina von Braun sur l'économie, qui est un domaine qui essaie toujours d'oublier les femmes. Donc, je vais passer déjà la parole au docteur von Braun pour qu'elle réponde à cette question. Et après, si Bettina veut faire un commentaire aussi. Aber es gibt eine viel ältere Beziehung, die mit diesen Kulturtechniken zu tun hat, von denen ich sprach. Und il y a pas le portugais. Ceci implique que l'économie et l'argent effectivement ont été pensés dans des termes masculins, c'est-à-dire il y a eu un processus culturel très long qui est derrière cette conception que les femmes non seulement n'ont pas accès à l'éducation, à l'écriture ou à une généalogie, mais elles ne peuvent pas non plus avoir accès à l'économie et elles n'arrivent pas non plus à comprendre de quoi nous parle l'économie, c'est-à-dire ne plus croire à ce genre de choses, ne plus s'exposer à ce genre de choses et ne plus suivre ce chemin de ces catégories. Ça, c'est un facteur très important. Le rapport entre l'argent et l'ordre de genre est très important. Et il y a là une longue histoire. Bien sûr, je ne peux pas maintenant en parler, mais j'ai écrit un livre à ce sujet. Et c'est un aspect très intéressant, c'est un rapport très intéressant et qui a recours aussi à tous ces aspects anthropologiques. L'argent existe depuis longtemps, depuis très très longtemps. Bon, je vais essayer de débaucher ceci de façon très rapide. L'argent est un système et quelque chose qui est lié au système de l'écriture. Et l'argent a été créé, la surgie, telle que nous le connaissons, dans l'Antiquité, comme un système de l'écriture qui de plus en plus a développé les symboles. Tout d'abord, c'était des barres de céramique, d'argile, où on faisait la comptabilité, avec lesquelles on faisait la comptabilité, par la suite les monnaies, les pièces de monnaie, et d'autres formes encore qui ont surgi. Le papier qui a surgi, aujourd'hui nous avons l'argent électronique. Donc l'argent est devenu de plus en plus un symbole et il est devenu des signes, des signaux. Et le fondement de l'argent, ça, on pourrait dire des biens matériels par exemple. Par exemple, le mot pécuniaire en latin, qui existe en latin, en portugais, nous avons le terme pécuniaire qui vient du bétail. Et cette base matérielle de l'argent, il y a beaucoup plus d'argent que de biens matériels. Donc ce fondement matériel n'est pas valable. Le souverain certifiait l'argent. Lorsqu'il recevait les articles qui venaient d'Allemagne, de la France, et donc ces droits d'émission sur l'argent a été objet d'abus pour s'enrichir. On avait besoin de crédits qui n'ont pas été rendus et ceci créait l'inflation. Donc le souverain est toujours celui qui était
problématique pour certifier l'argent. Et il y avait également la certification théologique de l'argent. C'est-à-dire, l'argent venait du terme sacrifice aux dieux. C'est-à-dire, l'argent se développait également dans le sacrifice au temple, là où se trouvaient les pièces, où les pièces étaient faites. Et ceci correspondait à une affaire d'échange avec les divinités. Et dans cette affaire d'échange, on avait toujours besoin d'une certification de ce que l'argent signifiait. Et cette certification était le sacrifice lui-même, le sacrifice sacral. Le taureau était le sacrifice de l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, c'est le symbole de la bourse de valeurs. Enfin, le symbole de la monnaie avait toujours les deux traces en quelque monnaie que ce soit. Et ceci nous fait penser au taureau, à ses cornes. Et jusqu'à aujourd'hui, ceci nous rappelle l'animal du sacrifice, mais qui n'aurait de la valeur que s'il représentait une vie humaine, un sacrifice humain. Donc, là, il y avait une certification féminine du sacrifice et une certification masculine. Et la féminine est beaucoup plus ancienne. La masculine est plus récente. Et la certification masculine du sacrifice, c'est là, c'est celui-ci qui est devenu de plus en plus une institution intellectuelle. Je suis désolée. Pour les traducteurs, c'est un chapitre qui n'a pas été très annoncé. C'est difficile de transmettre, d'appréhender, de transmettre, mais j'espère que certains mots clés ont été clairs. L'argent a une longue histoire et cette histoire se reflète jusqu'à nos jours. Elle a des effets et le gender pay gap, la différence de salaire, est le dernier bastion des inégalités de genre. Et ceci, j'espère que j'ai pu jeter un peu de lumière sur ce sujet. Merci, vous y êtes très bien arrivé. Nous avons deux questions de Renata César de Oliveira. Je vais les poser ensemble parce qu'elles ont un rapport entre elles. Renata demande, pose une question sur les stratégies de visibilisation, de projets ou de recherche que vous pourriez citer dans le domaine de la divulgation scientifique, donc des recherches unissant l'art et la science. Et elle demande si vous avez vu dans vos recherches des femmes scientifiques, des savantes, qui étaient aussi des artistes. Et elle pose cette question parce qu'elle fait un doctorat là-dessus au tournant du 19e et du 20e siècle. Oui, oui, il y avait une série d'artistes également scientifiques. Moi-même, j'étais cinéaste au départ. Et comme j'étais intéressé par certaines questions pour lesquelles je ne trouvais pas de réponse, je me suis intéressé à la science et j'ai travaillé dans le texte, dans l'écriture aussi, et puis je suis passé à la recherche. D'autres artistes ont des expériences similaires. Elles ont envie de mieux comprendre, et ainsi des anthropologues, des sociologues, des historiennes, passe donc à la science. Ce lien entre art et science est extrêmement important à l'époque moderne, à l'époque actuelle, pas seulement par rapport aux droits de la femme, mais oui, de nombreuses artistes actuelles dans le monde numérique, par exemple, sont aussi des scientifiques dans le domaine de la mathématique, des sciences exactes. Et en termes de divulgation scientifique, il faut qu'on se batte beaucoup, oui. Si on veut
J'ai fait un film qui montre que une équipe doit être encouragée, doit être mobilisée autour d'un thème hein, quand elle s'approprie du thème. Et cela, il doit faire aussi cela pour gérer ces institutions, les universités. Donc, je vous remercie pour votre question. Dans le cadre du programme Femmes dans la science, on a donc une stratégie de divulgation, mais je pense que c'est, ça reste un grand enjeu, la divulgation scientifique axée sur le genre, mais la divulgation scientifique dans son ensemble au Brésil a encore beaucoup de choses à faire. Des points que je veux étudier plus à fond maintenant, au cours des prochaines années, et cela justement. Et je pense que cette jonction entre l'art et la science est peut-être ce qui peut amener une véritable communication, cette passerelle entre la science, la connaissance produite et la société. Et pour revenir un peu sur ce qu'a dit le professeur Christine von Braun, dans ce domaine de sciences sociales, où l'écriture des ethnographies porte, l'écriture est un art, l'écriture elle-même est un art. Voilà, c'est ce à quoi je pensais en écoutant cette question. Oui, tout à fait. Dans le projet sur lequel nous travaillons, les jeunes filles de la science au musée de l'astronomie, du fait que l'on mène ce projet dans un musée, on a certaines particularités, par exemple, présenter la science de façon localisée, historiquement, socialement et culturellement. Et nous nous rendons compte que à chaque fois que l'on présente des savantes, des chercheuses, femmes, auxquelles les jeunes filles vont s'identifier. Il y a une perception que la science est faite par les hommes, par les êtres humains, et elle dure. Il est impressionnant de voir l'impact de ces produits de divulgation de la science ou des savantes sur elle, comme ces produits sont importants et comme ils sont localisés historiquement. Cela m'a fait penser à l'importance de ce que nous a dit le professeur Bernadette Vincent, qui nous a raconté l'histoire de Marie Curie et avec toutes les embûches qu'elle a pu rencontrer au cours de sa vie. Je pense que la divulgation scientifique est tout à fait urgente, mais ce rapprochement avec les arts, enfin, ça nous rapproche. Aujourd'hui, au Brésil, les gens voient encore la science comme un objet d'intérêt, mais relativement éloigné, et l'art est peut-être quelque chose qui peut les en rapprocher, en particulier pour que les jeunes s'intéressent à la science. Nous avons une question de Vera Schröder, elle-même, notre productrice ici, qui s'adresse au professeur Christine von Braun. Elle demande... Donc, vous avez parlé hier à un journal brésilien, vous avez affirmé que peut-être personne n'a fait autant pour l'écologie, pour la politique environnementale que Donald Trump, parce que justement, il détestait tout cela, et cela s'applique aussi aux questions de genre. Si d'un côté, les politiques publiques d'extrême droite, réactionnaires, misogynes, homophobes, sont destructrices, paradoxalement, elle rend le monde un peu plus tolérant. Et j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Ce que j'ai dit, c'est justement que rien n'a provoqué autant d'adhésion au mouvement écologique que Donald Trump, qui s'opposait à toutes les conclusions scientifiques sur le climat, même ceux qui n'étaient pas encore intéressés
On a vu que tous les mouvements écologiques, les associations ont reçu, ont accueilli avec un plus grand enthousiasme. Cela s'applique aussi certainement aux questions, enfin aux phallocrates que l'on voit à la tête de certains pays, comme en Hongrie, au Brésil aussi, je crois, vous connaissez bien ça. Ce type de phallocrates, je pense qu'ils ont réussi à créer une énorme conscience sur la nécessité et de ne plus leur donner la parole, en fait. Et c'est ce que je voulais dire hier avec mon commentaire lors de cette interview. Ce n'est pas que je désire qu'il y ait plus de Trump ou de phallocrates, mais ce que je veux surtout, c'est que l'on fasse plus de politique publique pour le genre. Mais je vois que l'effet paradoxal est important. Je n'avais pas pensé à cela, mais ça m'a permis de faire un lien ici avec la troisième loi de Newton. À chaque force appliquée, il y a une réaction contraire dans la même proportion, en sens contraire. Ah, ça a été vraiment un commentaire très pertinent et ça peut nous servir pour continuer à nous battre contre ces forces qui nous accablent. Voilà, nous n'avons plus de questions sur notre chat. Cet après-midi a été extrêmement intéressante. Je pense que nous sortirons d'ici plongés dans nos réflexions et je vais vous passer la parole pour les considérations finales. D'abord, la parole à Bettine et ensuite à Christina von Baum pour leurs considérations finales. Et ensuite, Renate reviendra avec quelques informations. Donc, Bettine. Le micro est débranché. Bon, je vous remercie une fois de plus. Voilà, ces initiatives qui nous permettent de discuter les questions de genre et de cette manière avec des chercheuses internationales qui échangent des expériences, c'est une expérience extrêmement riche. J'aimerais dire un dernier mot sur quelque chose dont je n'ai pas parlé. Sur cette action de programme Femmes et Sciences, c'est fondamental pour que les jeunes femmes se rapprochent en particulier de la science, en particulier dans les domaines où elles ne se voient pas intervenir. Ça sert comme une expérience de rapprochement dans ces domaines, à ces domaines et à la science, et aussi un encouragement. Parce que, dans le général, les élèves des écoles publiques n'imaginent même pas que l'université est ouverte, qu'elles peuvent continuer leurs études. Ça sert aussi à les encourager. Et on est arrivé ainsi, avec ce genre d'initiative, à multiplier la réflexion autour de la question du genre et de l'accès à la science. Et enfin, je remercie Donald Roche et Maria du CNPq, avec qui on collabore dans les actions de ce programme et dans notre recherche. Merci. Et je remercie également Patricia, Katharina. Ça a été une belle présentation. Je remercie aussi l'équipe de l'Institut Goethe qui a organisé ce merveilleux événement. Je remercie le musée aussi. Et j'aimerais aussi dire aux femmes qu'il s'est passé tant de choses au cours des 100 dernières années avec le droit de vote, l'admission dans l'enseignement supérieur, 100 ans, ce n'est rien en termes historiques, en termes d'histoire de l'humanité.
quand on voit tout ce qui s'est passé au cours de cette courte période, j'aimerais que vous portiez aussi mon message d'optimisme et de confiance. Et si on regarde un peu derrière nous, on voit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Depuis l'époque où j'étais étudiante, les choses ont entièrement changé. Donc, gardez votre confiance et cet optimisme. Et merci de cette invitation. Merci, c'est très encourageant de terminer sur ces mots optimistes de nos invités. Je passe la parole à Renata Leite. Merci beaucoup à vous toutes. Cette séance a été très inspiratrice, au-delà des questions aussi en fait, que Patrice a pu nous présenter. Nous avons eu beaucoup de remerciements. Des éloges aussi. Ça a été une rencontre et un débat très réussi. Je remercie le public, je vous remercie, vous qui êtes avec nous. À 5 heures de l'après-midi, on a été plus long que prévu et merci beaucoup. Pour cela, remercie aussi aux interprètes, à l'équipe technique qui nous a permis de faire cette transmission en direct sans problème. J'aimerais remercier également l'équipe qui s'occupe du chat sur le YouTube et qui contribue à cette expérience. Et j'aimerais vous inviter au forum littéraire mercredi prochain, le 29 à 19h, ici, sur cette même chaîne YouTube, nous aurons une conversation avec la célèbre auteure Ana Maria Machado. C'est vraiment à ne pas manquer, une conversation sur littérature, sciences et arts. Et vous êtes nos invités. Nous avons devant nous 3 mois de débat, comme celui d'aujourd'hui. Vous qui avez vu et aimé ce débat, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, activez la cloche pour ne manquer aucune séance et vous serez averti des prochaines séances. Vous pouvez et vous devez vous inscrire à notre événement Simpla. Le lien est dans le chat et on vous envoie des emails avec des rappels près de chaque rencontre. Ceux qui aiment les agendas physiques qui ne sont pas aussi numériques et qui veulent assurer leur présence. Les prochaines rencontres auront lieu le 21 octobre, au même horaire, 15h, au Brésil. Ensuite, le 18 novembre, et enfin, le 9 décembre, toujours à 15h, à Brasilia. Horaire de Brasilia, pardon. Donc, nous espérons vous revoir et au 29 septembre, donc je vous revois le 29 septembre pour notre forum littéraire MOOC. Mais merci beaucoup.